Thank you.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, shalom, shalom, shalom. Toi qui nous suis en ce moment, je veux saluer. Je veux saluer, l'ambassadeur, sois béni, l'ambassadeur, sois béni. Nous bénissons le Seigneur, nous sommes. Marie Jane, Seven Tonda, sois béni. Wow. Prisca, que Dieu te bénisse. Prisca, que Dieu te bénisse. Je te salue, Claudia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bienvenue aux 13h prière avec l'aigle géant. La deuxième édition de l'année 2022, je rends grâce à Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour ce qu'il fait. Je veux bénir le Seigneur pour son œuvre. Je veux rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur est fidèle. Je rends grâce à Dieu. Quelques réglages, je salue encore Nadia qui est parmi nous, Loretta, je salue dans le nom de Jésus. Si tu es là, alors je vais partager au maximum. Partage, maximum de partage. Je salue Claire, je salue Excellence, épouse de John. Je salue chacun de vous actuellement qui est connecté, qui est parmi nous. Maman Cathy Olinès, que Dieu te bénisse. Servante du Seigneur, je pendant que tu es là, si tu écris, tu écris quelque chose sur ton téléphone ou sur ton PC, je veux te saluer, lui et Yeshua, sans toi saluer, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur.
Gaël Maconier soit béni, soit béni. Soit béni. Soyez béni. Madeleine, sois béni. Je salue chacun de vous. Oui, Maman Odinès, que Dieu te bénisse. Sois béni, sois puissamment béni. Bienvenue, Émilie. Émilie. Émilie, que Dieu te bénisse. Bienvenue au 13h prière avec l'aigle géant. Une émission de prière dans laquelle nous prions, une émission dans laquelle nous sommes devant Dieu dans la prière, sous le prisme d'une révélation de la parole de Dieu. Une émission dans laquelle tu es pleinement impliqué à travers ton clavier, pleinement impliqué. Je salue Marie-Marcel qui se connaît, qui est avec nous. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit glorifié. Pendant que tu es en train d'inviter tous tes amis dans les autres groupes, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons commencer juste que chacun puisse avoir le meilleur de cette diffusion. Ce jour, je crois que tu es positionné, particulièrement bien positionné en ce moment.
Là, je te bénis. Je te rends grâce pour tes mains. Ça m'a avec nous. Et maintenant, chacun soit béni, que le nom de Jésus soit puissamment élevé au nom de Jésus. Bénisse Matelum, sa cause soit bénie puissamment. Nous sommes en train de parler de que ta coupe déborde, qui est le thème de notre année. Sois béni, toi qui nous suis. Sois béni, sois puissamment béni. La grâce de Dieu coupe sur toi, la grâce de Dieu sur toi. Vous êtes nombreux à nous suivre. Nous sommes en train de régler tout ce qui concerne le son, afin que chacun soit béni dans mon émission aujourd'hui. Oui, Marty, le son est trop bas. Nous sommes en train de régler, la technique est en train de régler ces choses pour que vous soyez béni, parce que la grâce va descendre sur ta vie en ce jour à travers. Alléluia. Nous avons commencé à parler de l'abondance. De l'abondance, la fois dernière, nous avons parlé de l'abondance. Et c'était un moment très riche, très important. Chacun pouvait apprécier l'action de Dieu dans sa vie. Et cette année, je crois que.
Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es béni. Nous revenons en ligne. Sois béni, sois béni. Il fallait régler le problème de son que nous avons eu. Je veux prier pour toi en ce jour. Rien ne va bloquer ton abondance en cette saison. Rien ne va bloquer ton élévation. Rien ne va bloquer. Il n'y aura aucune interruption à la grâce que Dieu a prévue pour ta vie. Il n'y aura aucun blocage, il n'y aura aucune limitation. Tu vas connaître l'abondance, tu vas connaître l'épanouissement, tu vas connaître l'élévation. Je veux juste te rappeler que voici les raisons pour lesquelles tu dois être abondant. C'est parce que Dieu veut ton épanouissement. Dieu veut ton épanouissement, demandez afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur veut que ta joie soit parfaite. Le Seigneur veut que ta joie soit parfaite. Le Seigneur veut que ta joie soit à l'optimum. Je déclare en ce 13h que quelqu'un qui m'écoute, tu vas connaître la joie à l'optimum. Tu vas connaître la joie du Seigneur. Est ta portion au nom de Jésus. Je déclare que tu vas connaître ton exaucement, tu vas prier et tu vas voir le Seigneur t'exaucer. Tu vas prier, tu vas voir le Seigneur t'exaucer parce que le Seigneur veut que tu sois dans l'abondance afin que ta joie soit parfaite. Alléluia. Ta joie sera parfaite. Rien ne va bloquer, rien ne va paralyser, rien ne va stopper, rien ne va interrompre ton épanouissement. Au nom de Jésus, alléluia. Rien ne va bloquer ton épanouissement. Oui, rien. Dieu veut que tu sois épanoui. Ne laisse rien détruire ta joie, ne laisse rien détruire ton épanouissement. Ne laisse rien. Je déclare cela dans ta vie. Tu es condamné à l'abondance. Tu es condamné à l'abondance. Je t'attache, je te lie, je t'associe à l'abondance en Christ. Nous avons tout pleinement en Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Nous avons tout pleinement en Christ. Bien-aimé, tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Alléluia. Tout. Commence à recevoir tout ce qui va contribuer à ton abondance. Commence à recevoir tout ce qui doit contribuer à ton abondance, tout ce qui doit contribuer à ton épanouissement. En ce moment, que ce soit un emploi, que ce soit une ouverture, que ce soit une relation, s'il y a quelqu'un ou il y a une chose qui doit contribuer à ton épanouissement, reçois cela au nom de Jésus. Reçois. Nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout en abondance. L'abondance est ta portion. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, il te charge des bonnes œuvres. Il te charge avec tout ce qui va contribuer à ton épanouissement. Il te charge avec tout ce qui doit contribuer à ton succès. Il te charge avec tout ce qui doit contribuer à sa gloire. Reçois en ce moment. Oh, que quelqu'un déclare avec moi, j'ai
tout pleinement en Christ. Waouh! Waouh! Que quelqu'un déclare avec moi, j'ai tout pleinement. Tout pleinement. Ouh! Tout pleinement en lui. 2 Corinthiens. Allons-y, allons-y. Déclare avec moi, Colossiens 2, 10. J'ai tout pleinement en lui. J'ai tout pleinement en lui. Colossiens 2, 10. Waouh! Je veux te bénir avec cette parole. L'abondance. Tu as tout pleinement, bien-aimé. Pendant que tu m'écoutes en ce moment, tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement en Christ. Tu as tout pleinement en lui. La parole est claire. Colossiens 2, verset 10. Je veux partager cette parole avec toi. Tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Oui. La Bible dit au verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. L'abondance est ta portion. Nous avons tout pleinement en lui, c'est-à-dire tout ce qui va contribuer. Tout ce qui va contribuer à ton abondance, tu as tout pleinement en Christ. Je déclare que ton programme céleste en tant que citoyen du royaume, déclare que tu as tout pleinement en Christ. Waouh! Tu as tout pleinement en Christ. Lorsqu'on dit « et ma coupe déborde », on parle de la plénitude. On parle de posséder tout. Ça veut dire que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur te charge de tout ce qu'il faut pour réussir, tout ce qu'il faut pour le glorifier. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de tout par rapport aux autres. Il ne s'agit pas de tout par rapport au monde. Il s'agit de tout ce qu'il me faut pour être le parfum d'adoration de mon Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir ce que ton voisin a, d'avoir ce que ton frère a. Ce n'est pas l'idolâtrie. Ce n'est pas une affaire de compétition. Mais lorsqu'on parle de tout pleinement en lui, lorsqu'on parle de tout pleinement en lui, nous sommes en train de dire que le Seigneur, à ma nouvelle naissance, m'a chargé de tout ce qu'il me faut pour être l'homme ou la femme que je dois être. C'est-à-dire, quand Dieu te conçoit dans son esprit, il s'est dit, tu vas l'adorer par ta manière de vivre, ou par ta manière de chanter, ou par une invention, ou par un business. Alors, si tu as été créé pour l'adorer en faisant les affaires, par exemple, alors il te charge de tout ce qu'il faut pour réussir dans le domaine des affaires pour lesquelles tu dois le glorifier. Donc, nous avons tout pleinement en lui. Il ne s'agit pas de posséder toutes les richesses du monde, mais il s'agit de posséder tout ce qu'il me faut pour être le parfum agréable à Dieu. Alléluia. Si tu le comprends, c'est important. C'est-à-dire que l'autre a été créé pour chanter, l'autre a été créé pour prêcher. Dieu le charge de tout ce qu'il faut pour la prédication. Dieu le chargera de tout ce qu'il faut pour le chant. Dieu chargera tel haut de tout ce qu'il faut pour ceci. Parce qu'il a été créé pour la chose. Lucifer avait été créé pour la louange. Alors Dieu a créé tous les instruments pour lui. Je viens dire à quelqu'un en ce moment, Dieu m'envoie te dire, j'ai créé toutes les choses pour la raison pour laquelle tu es créé. Ou pour le couloir pour lequel tu es créé. Je t'annonce en ce moment, tu as été, oh, que quelqu'un commence à bénir Dieu. Ça, c'est le premier sujet de prière. Tu commences à bénir Dieu.
Tu commences à bénir Dieu en ce moment même. Commence à bénir Dieu parce qu'il t'a donné tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour réussir. Tout ce qu'il faut pour être la personne qu'il avait conçue. Quelqu'un commence à bénir Dieu avec Colossiens 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Tu as tout pleinement en lui. Tu as tout pleinement en lui. Tu as tout pleinement. Ça veut dire qu'il t'a chargé avec l'abondance. Tu as tout pleinement. Bénis Dieu parce que tu as tout pleinement. Même si tu ne vois rien. Mais je t'annonce que dans ton esprit, tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement. Tu possèdes tout ce qu'il te faut pour être la personne que tu dois être, pour être la meilleure version de toi-même. Oh, pas par rapport à quelqu'un, pas par rapport à un frère ou à une sœur ou à un tonton. Non, tu es créé pas pour une compétition. Tu n'es pas créé pour prouver quelque chose. Tu as tout pleinement en lui. C'est-à-dire, je me rappelle de cette merveilleuse histoire où Jésus révélait à Pierre la manière dont il devait mourir et c'était déjà la manière dont il glorifierait Dieu. C'est-à-dire, il devait mourir d'une certaine manière et c'est de cette manière qu'il devait glorifier Dieu. D'autres ne devaient pas mourir de cette manière parce qu'ils avaient leur manière de glorifier Dieu. Ça veut dire que quand Dieu te charge de tout ce qu'il te faut, quand tu as tout pleinement en lui, ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut pour que tu puisses avoir l'ingrédient ou les ingrédients pour vivre à la manière de, ou de la manière par laquelle tu donneras gloire à Dieu. C'est pourquoi en ce jour, je déclare dans la vie d'un bien-aimé qui me suit en ce moment, déclare que je possède tout pleinement. Je possède tout pleinement par rapport à ce pourquoi je suis créé. Je possède tout pleinement. L'abondance, quand tu crois en l'abondance, c'est que tu crois que tu possèdes tout. Tout ce qu'il te faut pour réussir. Ça veut dire que le complexe doit disparaître. L'esprit de compétition doit disparaître. L'envie doit disparaître. Quand quelqu'un sait qu'il possède tout pleinement, alors, oh, je dis pas tout, mais pleinement, c'est-à-dire avec abondance. Oh, quelqu'un est en train de recevoir et de croire que l'abondance est sa portion. L'abondance est ma portion. Ça veut dire que je ne suis pas jaloux du succès des autres. L'abondance est ma portion. Ça veut dire que je suis moi-même. L'abondance est ma portion. Je n'ai pas de l'envie. Quand mon frère et ma soeur réussissent, je ne suis pas envieux. Je ne veux pas sa chute. Je ne veux pas qu'il tombe. Je t'annonce, quand tu sais que tu as tout pleinement, tu cherches à découvrir ton couloir et à exploser parce que il y a quelqu'un qui me suit en ce moment qui a une leçon à donner à ce monde. Parce que dans ton couloir, tu es imbattable. Dans ton couloir, tu es unique. Dans ton couloir, tu es le prototype. Dans ton couloir, Dieu ne t'a pas créé par rapport aux gens ou pour accompagner les gens. Dieu t'a créé. Dieu t'a créé unique, pièce unique, unique. Même si tu es jumeau, tu es unique. Et pour être unique, il te charge, il te rend abondant. Tu as tout pleinement. L'abondance veut dire j'ai tout pleinement. Ça, c'est le premier volet. Je viens te le dire. Le complexe doit quitter ta vie. Tu dois arrêter. Oh, chasse le complexe. Tu as tout pleinement. Arrête de te dire, je suis mince, je suis long, je suis court, je suis noir, je suis brun. Tu as tout pleinement pour être la meilleure version de toi. Tu as tout pleinement pour être le parfum agréable qui montera à Dieu et le glorifiera. Arrête le complexe. Arrête le complexe d'infériorité.
ou le complexe de supériorité. Tu n'es pas supérieur par rapport aux autres, tu es supérieur par rapport à ton dépôt, à ton appel, à ton design. Tu n'es pas en compétition avec les gens. Arrête l'envie, arrête le complexe, arrête de dire que tu es venu accompagner les gens au monde. Dieu ne t'a pas créé pour accompagner. Il t'a créé avec un but. Pour quelqu'un déclare, j'ai tout pleinement. Nous parlons d'abondance et ma coupe déborde. Quand ta coupe déborde, tu sais, un, que tu as tout pleinement. Ça veut dire que tu loues Dieu et tu arrêtes les complexes. Ouh! Je sens que le Seigneur me parle. Quand ta coupe déborde. Waouh! Vas-y, déclare. Alléluia. Quelqu'un déclare sur son clavier. Quelqu'un déclare sur ton clavier. Tu sais que tu as tout pleinement en lui. Ça veut dire, tu loues Dieu et tu arrêtes les complexes, tu arrêtes l'envie, tu arrêtes la jalousie, la sorcellerie. Parce que tu sais que tu possèdes quelque chose en toi. Ça, c'est le premier volet. Tu sais que tu as tout pleinement pour être la personne, la meilleure version de toi. Oh, déclare, je sais que j'ai tout pour réussir. Tout pour être un succès. Quand on dit être un succès, ce n'est pas être dans le feu de projecteur du monde forcément. Ça peut aussi passer par ça. Mais c'est que être un succès pour un enfant de Dieu, c'est être ce que Dieu a conçu dans son esprit que tu sois. C'est être le projet de Dieu. Parce que Dieu, en te créant, avait un projet. Maintenant, lorsque tu es créé, tu dois définir le projet qu'il a imaginé. Alors, c'est quand tu deviens le projet. Waouh, je sens que je suis en train de devenir quelqu'un. C'est quand tu deviens le projet que Dieu avait imaginé que tu es un succès. Donc, le succès pour nous, les fils du royaume qui sommes au ciel, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, avoir les regards sur soi, être la personne dont tout le monde parle. Non, ce n'est pas forcément la célébrité liée à ce monde, mais c'est la célébrité liée au ciel. Ça veut dire que tu découvres ce que Dieu a imaginé, tu entres dans ce que tu as découvert et tu excelles. Waouh! Je te parle du succès. C'est quoi le succès? Oh, que quelqu'un déclare, je suis un succès divin. Waouh. Quand tu sais que tu as tout pleinement, non seulement tu loues Dieu, tu arrêtes les complexes, tu entres dans le succès. J'entends le succès. Waouh, je suis en train d'écouter Dieu en ce moment pour toi. J'entends le succès. J'entre dans le succès, c'est-à-dire je découvre la pensée de Dieu. Je pratique la pensée de Dieu et j'excelle. C'est-à-dire, je découvre que j'avais été créé pour être un prédicateur, pour être un chanteur, pour être un intercesseur, pour être un homme d'affaires, une femme d'affaires. Je découvre que Dieu m'avait créé pour ça. Maintenant, j'aligne ma vie, j'entre dans ces choses. C'est-à-dire, quand tu sais que tu as tout pleinement, et sur le troisième volet de ce point 1, tu entres dans le succès. Tu entres dans la reine du succès. C'est-à-dire, tu découvres ce que Dieu a imaginé sur toi. Tu pratiques cela. C'est-à-dire, si tu as découvert que tu devais être une femme d'affaires, tu commences à aligner ta vie vers les affaires. Tu commences à te former. Tu commences à t'approcher des gens qui font les affaires.
tu entres dans les retraites pour écouter Dieu sur les standards des affaires qu'il veut faire avec toi. Et enfin, tu excelles. C'est-à-dire, tu fais la chose au point de devenir un bâtard. Tu excelles tellement dans ce domaine que les gens viennent copier, viennent se former dans ton établissement. Je prophétise et je déclare, parce que tu as tout pleinement, je déclare que tu es un succès. Je déclare que tu loues Dieu. Je déclare que les complexes, les limitations, les peurs disparaissent de ta vie. Je déclare, waouh, la parole me bénit personnellement, que tu entres dans l'arène du succès. Ça, c'est ma déclaration sur toi. Tu as tout pleinement. Tu as tout pleinement. Quand ta coupe déborde, un, tu sais que tu as tout pleinement. Deuxièmement, tu sais que tu n'as tout pleinement qu'en lui. Alléluia. Les amoureux de la parole entrent dans la prière en ce moment. Bien-aimé, il ne s'agit pas de posséder tout pleinement. C'est dans un contexte précis, c'est en Christ. Quand ta coupe déborde, tu sais qu'un, que tu as tout pleinement. Deux, tu sais que c'est en lui. Tu sais que c'est en lui. En fait, tu sais que sans être en lui, tu n'as rien. Sans moi, vous ne pouvez rien, dit Jésus dans le livre de Jean. Tu sais que tu as tout pleinement en lui. C'est en lui. Parce que sans être en lui, tu n'as rien. En lui veut dire être en relation avec lui. Tu es en lui. Il ne s'agit pas de vouloir être béni, abondant, prospère. Juste comme ça, il s'agit d'être en lui, c'est-à-dire d'avoir donné pleinement sa vie à Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de posséder des techniques, d'avoir la pensée positive ou de lire des grands livres. C'est quand tu es en Christ que tu as tout pleinement. C'est quand tu es en Christ que, dès que tu te donnes au Seigneur, selon Éphésiens, il te charge des bonnes œuvres pour que tu puisses les pratiquer. Ça veut dire que tu peux être dans l'église depuis, tu peux même être pasteur, mais tu n'es pas né de nouveau. Ça veut dire que tu n'es pas en lui. Tu n'es pas dans le mystère de Christ. Peut-être que tu m'écoutes en ce moment. Mais tu n'es pas en lui. Tu n'es pas en lui. C'est-à-dire, tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas donné ton cœur au Seigneur. Tu n'as pas réalisé que tu étais un pécheur et que tu avais besoin de Dieu. Sans cela, tu n'as pas tout pleinement. Tu peux être à l'église depuis des années, être l'enfant, la fille, le fils du pasteur, mais tu n'es pas en lui. Il faut avoir rencontré Jésus de façon personnelle. Il faut avoir fait l'expérience de Jésus-Christ. Il n'y a pas de théologie qui rend cela possible. Il faut Dieu pour rencontrer Dieu. Il faut Dieu pour être une nouvelle créature. Tu es peut-être en ce moment en train de m'écouter. Tu es fatigué de ta vie. Fatigué de ton style de vie. Et tu entends l'homme de Dieu te parler d'abondance. Que nous avons tout pleinement. Ce n'est pas pour toi.
ça ne sera pour toi que lorsque tu auras été en lui. Et comment être en lui? Ouvre ton cœur au Seigneur. Il est là en ce moment. Il t'écoute en ce moment. Dis-lui, Seigneur, je veux être en toi. Simplement ton cœur ouvert et il vient en toi. Et quand il vient en toi, il vient avec la plénitude, avec l'abondance. S'il n'est pas dans ton cœur, il n'y a rien pleinement. Si ce n'est la mort, si ce n'est le péché, si ce n'est l'enfer. C'est pourquoi tu peux stimuler, tu peux même avoir l'argent, mais il n'y a rien en toi. Parce que celui qui a ces choses dans nos cœurs s'appelle le Saint-Esprit. Et si Jésus n'est pas dans ton cœur, il n'y a pas le Saint-Esprit qui va te charger de l'abondance. Le Saint-Esprit, l'espère dans la charge qu'on appelle l'abondance. Oh là là, Keshabo Karasa. Quelqu'un doit se donner au Seigneur. Être en lui, c'est être son enfant. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais pas tous des enfants de Dieu. Ma Bible dit dans Jean chapitre 1, au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, et à tous ceux qui croient en son nom, la parole où Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire qu'on devient enfant de Dieu. Il y a une fausse doctrine qui enseigne que tous nous sommes des enfants de Dieu. C'est faux. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. On est créature de Dieu et on devient enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de devenir enfant de Dieu. Pendant que tu m'écoutes en ce moment, tu as besoin de partager cette vidéo à quelqu'un afin qu'il reçoive le Seigneur Jésus comme son Seigneur et sauveur personnel. C'est quand tu le reçois que l'abondance, la plénitude s'installe comme ton héritage. La plénitude, note bien ceci, et tu dois écrire ça sur ton clavier. La plénitude est l'héritage des fils de Dieu. L'abondance, la part, la portion, le lot, le legs, l'héritage des enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, l'abondance est pour toi. Tu as tout pleinement en lui. Parce que tu es en lui. En lui, c'est comme si Christ est une maison. Et tu entres dans cette maison. Et comme cette maison est pavée d'or, est tellement riche, parce que tu es à l'intérieur, les choses sont disponibles. C'est ça en lui. C'est-à-dire, lorsque tu ouvres ton cœur à Jésus en ce moment, à l'instant, tu entres dans cette maison qu'on appelle Jésus. Et à ce moment-là, tu commences, parce que tu es dans la maison de l'abondance, l'abondance est ton héritage, est ton legs, est ta portion, est ton partage. Tu ne cherches plus l'abondance dehors. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne copie pas les mondains. Tu ne cherches plus l'abondance ailleurs, mais l'abondance est dans la maison Christ dans laquelle tu es. En lui, nous avons tout pleinement. Lui, la Bible ne dit pas que nous avons tout pleinement. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Quand ta coupe déborde, quand tu sais que tu as tout pleinement, tu sais que c'est en lui. La relation avec Dieu te donne le droit à l'abondance. Ah. Déclare avec moi, ma relation avec Dieu ou ma nouvelle naissance me donne le droit à l'abondance. Wow, je suis en train de relâcher une grâce. Quelqu'un est en train de déclarer cela et quelqu'un est en train de déclencher quelque chose qu'il n'avait pas encore déclenché avant. Parce qu'on t'a fait croire que l'abondance se trouvait à l'extérieur. Mais je viens te dire, ta relation avec Dieu te donne le droit à l'abondance. Ça veut dire que tu n'es pas étranger
à l'abondance. Tu n'es pas exclu de l'abondance. Tu n'es pas privé de l'abondance. L'abondance est ta portion. Je prophétise et je déclare. L'abondance est ta portion. L'abondance est pour toi et pour ta maison. Quelqu'un doit prier dans ce trésor. Je ne suis pas privé de l'abondance parce que en Christ, j'ai tout pleinement. Arrête d'être frustré. Arrête de croire que la vie chrétienne, c'est une vie de galère et de misère. Non, on peut passer par la galère et la misère, mais ce n'est pas notre destination. Ce n'est pas notre destination. On peut passer par la galère, par une situation de sécheresse, mais ce n'est pas ta destination. C'est passager. Un fils de Dieu passe par la croix pour la résurrection. Mais la croix n'est pas ta destination. Un fils de Dieu peut passer par le désert, mais le désert n'est pas ta promesse. Le désert est un passage. Je déclare en ce moment, peut-être tu es en train de vivre quelque chose, une contradiction en ce moment, et tu es en train de passer un moment difficile. Je prophétise, je déclare que ce n'est pas ton héritage. Ce n'est pas ta portion. Tu es en transit dans ce combat. Tu es en transit dans ce problème. Tu es en transit dans ce manque, dans cette situation. N'accepte pas le message du désert. Ce n'est pas ta portion. N'accepte pas que l'Égypte entre dans tes mains. Le désert entre dans tes mains. Ne permets pas à la croix de durer dans ta vie. Ton message est la résurrection. Ton message, c'est Canaan. Ton message est au Katoshéboka. Tu es destiné au pays où coule le lait et le miel. En d'autres termes, au pays de l'abondance. Tu es créé pour cela. Dieu t'a créé, designé, façonné, forgé pour l'abondance. Je prophétise et je déclare à quelqu'un la relation avec Dieu. Je viens déclencher cela en ce moment. Ta relation avec Dieu te donne le droit légal jouis de l'abondance. Oh, je dis à quelqu'un, jouis de ton abondance au nom de Jésus. Lui, tu as tout pleinement. En lui, tu as la santé pleinement. En lui, tu as l'élévation pleinement, les finances pleinement. En lui, tu as l'onction pleinement. En lui, tu as la joie pleinement. En lui, la santé te sourit pleinement. En lui, tu as tout pleinement. Pleinement, tout. Le Seigneur, tu as tout en lui. En lui, ça veut dire la relation. Frère, tu n'as pas besoin de jeûner, de prier pour avoir tout pleinement. Tu l'as par ta nouvelle naissance. Quelqu'un doit méditer ce que je viens de dire. Tu n'as pas besoin de te sanctifier. Non, pour être dans cette maison, c'est la nouvelle naissance. La maison de la toute enfant de Dieu, toute personne, toute créature de Dieu qui s'est donnée à Christ de droit ou encore de fait l'abondance comme héritage. Qu'il prie ou qu'il ne prie pas, qu'il jeûne ou qu'il ne jeûne pas, qu'il se sanctifie ou qu'il ne se sanctifie pas, il est dans la maison de l'abondance. Oh. C'est pourquoi, sans avoir prié, se sanctifier, il a l'abondance qu'on appelle la vie éternelle. Elle est liée au fait que tu sois dans la maison. Vrai, il y a des chambres dans la maison qui sont la chambre si c'est abondance du mariage, l'autre chambre si c'est abondance de ceci. Mais dès que tu y entres, il y a un type d'abondance que tu commences. Donc tu commences à jouir automatiquement. Mais en principe, tu as toutes les abondances puisque tu es déjà dans la maison. Mais les autres qui se manifestent en premier, il y a un type qui commence à se manifester comme la vie éternelle. Tout enfant de Dieu est sauvé. Tout enfant de Dieu est comme Père Dieu.
tous les enfants de Dieu ont tout pleinement. Maintenant, en découvrant la maison qui s'appelle Christ, n'oublie pas la maison là s'appelle Christ. Waouh! Les 13 aussi a été combattu, je crois que ça commence, je comprends pourquoi. En entrant maintenant dans les pièces de la maison, tu commences à jouir des autres types d'abondance qui sont tiennes, mais que tu n'avais pas encore expérimenté. Parce que cette maison est remplie de champs. Il y a beaucoup de pièces dans cette maison. Et Jésus est comme un diamant. Tu le retournes, tu vois de nouvelles couleurs. Et c'est plusieurs facettes, c'est extraordinaire. Je t'annonce que l'abondance, tu as, quand tu es dans la maison, tout ce qu'il y a dans la maison est ta portion. La maison Jésus. Oui. Pour que tu sois un succès, et j'ai défini le succès. C'est-à-dire, c'est connaître ce que Dieu a imaginé, entrer dans ce que Dieu a imaginé et exceller dans ce que Dieu a imaginé. Quand tu excelles alors, tu es dans le succès. Parce que quand tu excelles déjà, tu deviens une référence, tu deviens un, on appelle ça en anglais sample, tu deviens un échantillon, un prototype, tu deviens extraordinaire. Quand tu excelles, c'est pour ça que les enfants de Dieu, un jour on parlera du succès, ont un problème au niveau du troisième volet qui est l'excellence. Il y a les gens qui ont découvert ce que Dieu attend d'eux. Il y a les gens qui sont dans le couloir, qui sont en train de travailler. Mais il y a maintenant un autre problème d'excellence. C'est-à-dire la capacité d'exporter cela dans la vie des autres. C'est pourquoi quand tu vois les chantres étrangers, par exemple aux États-Unis, les gars ont découvert, les gars sont dans ça, et les gars ont excellé. Pourquoi? On dit que tu as excellé quand on te copie. Quand tu commences à inspirer le ministère des autres, c'est-à-dire moi je ne sais pas chanter, mais je vois un chant qui a excellé, qui a découvert, qui est dans le succès. En fait, elle est dans le succès. Tu vois, dans mon ministère pastoral, je m'inspire de lui. Je ne chante pas, mais son esprit m'affecte. Le même esprit qu'il utilise pour chanter, je l'utilise pour prêcher. On appelle ça le succès. Quand tu es devenu excellent, on te célèbre. C'est un autre point. Je veux dire à quelqu'un, arrête de faire les affaires du quartier. Fais les affaires au point que tes enfants veulent être comme maman, veulent être comme papa. Pas le business avec une mentalité de souffrance. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec les gros chiffres qu'on fait, ça a à voir avec l'esprit qu'on met à l'intérieur. Je t'annonce que quelqu'un déclare je suis un succès. Mets le cœur. Je veux voir les cœurs. Esther, je veux voir les cœurs. Le 13h, si c'est pour quelqu'un. C'est ton 13h. Nous sommes dans Colossiens 2, verset 10. Colossiens 2, verset 10. Allons-y. On a eu un retard et on va prendre le temps de le rattraper. Quand ma coupe déborde, nous parlons aujourd'hui de quand ma coupe déborde. Quand ma coupe déborde, je sais que j'ai tout pleinement. Tout ce qu'il me faut. On a parlé de ça. Ça veut dire que tu sais que tu loues Dieu pour ça. Tu arrêtes les complexes, la sorcellerie, la jalousie. Tu entres dans le succès. Maintenant, deux. Tu sais que tu as tout pleinement. Quand ta coupe déborde, tu sais que tu as tout pleinement seulement en lui. Dans la chair, en lui. En lui, c'est être né de nouveau. Deuxième chose, en lui, c'est être en communion avec lui. La relation te donne droit à toute la maison. La communion te donne accès aux chambres dans la maison. La relation te donne droit à la maison. La maison, c'est la maison du salut. Ça s'appelle Jésus-Christ. Tu es sauvé automatiquement. Quand tu entres dans la maison, il y a un type d'abondance qu'on appelle le salut qui devient ta portion. Il y a aussi certaines choses qui commencent à t'abandonner automatiquement sans effort. Mais maintenant, la communion, c'est-à-dire quand tu es en relation avec quelqu'un, c'est un peu comme à l'image du mariage. Tu es marié à la personne, vous êtes en relation.
Maintenant, vous pouvez être marié sans avoir une vie de couple. Ça, c'est la communion. Donc, qu'est-ce que vous faites de votre relation? La manière dont vous entretenez la relation, on appelle ça la communion. Alors, c'est pour ça qu'on peut parler de l'intimité avec Dieu ou encore de la communion avec Dieu ou encore la communication. La communication, ce n'est pas le dialogue. Qu'il parle, je parle toujours. Non, c'est plus que le dialogue. Ça veut dire qu'on se comprend. Parce qu'on peut communiquer sans dialoguer. Mais on se regarde, on a parlé. Oh, kato soubraka. Alors, en ce moment de la communion, maintenant, c'est là où on voit certains enfants de Dieu plus abondants que d'autres. Mais en principe, tous les enfants de Dieu sont abondants. Ils sont dans la maison de l'abondance qu'on appelle Jésus-Christ. Tous les enfants de Dieu. Mais maintenant, tous les enfants de Dieu ne sont pas entrés dans toutes les pièces de la maison. Ouh! Imagine qu'il y ait 20 pièces. Tu as donné ta vie au Seigneur. Tu es resté juste au rôle. Le salut. L'abondance du salut. Ou l'abondance aussi de certaines petites choses. Mais maintenant, comme tu n'as pas de communion avec Dieu, tu ne vas pas plus loin. Parce qu'il y a les pièces que ce n'est... Tu as le droit d'y entrer seulement si tu as un type de communion avec Dieu. Plus, c'est pourquoi plus tu pries, tu commences à dégager une certaine grâce. Plus tu jeûnes, plus tu lis la parole, certaines abondances commencent à se manifester dans ta vie. Plus, c'est-à-dire la communion, c'est la découverte du Dieu qu'on adore. La communion, c'est la découverte, c'est la profondeur, c'est parler à Dieu, il te parle, c'est écouter Dieu, il t'écoute. C'est un échange entre deux personnes. On communie et un échange dans lequel on se comprend. Pas juste un échange, je dis un mot, il ne comprend pas. Non, un échange, une fusion. Et pendant qu'on est en train de fusionner avec Dieu, ça te confère une clé qui te donne accès à la porte d'une chambre qui est dans ta maison qui s'appelle Christ. C'est pourquoi il y a des personnes, par exemple, qui opèrent dans la santé divine. C'est automatique. D'autres aussi sont malades constamment, mais ils sont dans la maison. Celui qui a opéré dans la santé divine a découvert le Dieu de la santé. L'autre qui opère dans les finances librement a découvert le Dieu des finances. Et c'est la découverte de Dieu qu'on appelle la communion. C'est-à-dire que tu es déjà son enfant, mais maintenant tu commences à grandir dans la foi. Et à force de grandir dans la foi, l'abondance commence. Il y a des facettes de l'abondance dans le tout pleinement là que tu commences à découvrir. Je déclare que tu entres dans la découverte. Tu commences à surfer dans la découverte. Les choses qui te battent, elles ne te battent plus. Tes mains sont affermies. Tu peux tendre la main. Je suis en train d'amener quelqu'un très loin. Tu commences à couler l'abondance. Je veux dire à quelqu'un, c'est la communion avec Dieu qui ouvre les autres portes de la maison de l'abondance. Il y a des trésors. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Celle des rois, c'est de découvrir. Est-ce que tu es un roi? Il y a des choses que Dieu ne donne pas gratuitement. Et c'est au prix d'un sacrifice. Il faut payer un prix. Tu veux commencer à passer ton ombre guérir les malades? C'est ta portion. C'est ta portion. Mais sauf que la chambre-là a besoin d'un code. D'un code. Il faut que tu te consacres. Dieu va te demander de consacrer tes nuits dans la prière. Non, c'est pour toi. Maintenant, il faut que ce soit accessible. Tu dois ouvrir la chambre. Il n'y a pas de place pour la paresse. L'abondance impose le travail. L'abondance impose un type de prix à payer. Ta relation avec Dieu te donne accès à la maison de l'abondance. Ta communion avec Dieu te donne accès aux chambres dans lesquelles sont cachées certaines abondances.
Tu dois, oui, oui, ma fille, tu dois ouvrir les chambres. Tu dois ouvrir les autres pièces de la maison. C'est pour toi. Tu n'ouvres pas comme un bandit ou un étranger, non. Tu découvres, en fait, on doit dire, tu dois découvrir les pièces de ta maison. C'est quel personnage, c'est quelle personne qui achète une maison ou construit une maison et ne vit qu'au salon? Et je suis sauvé. Jésus est mon père. Mais il ne découvre pas le domaine du succès dans le ministère, le succès à l'école, le succès dans les finances. Il ne découvre pas ça. Et Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 32, et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité n'affranchit personne. C'est la découverte de la vérité. C'est l'intimité avec Dieu qui te révèle le mystère. Koshabo, tu dois avoir une vie de prière dynamique où Dieu te parle et te révèle pourquoi tu es dans la galère comme tu es là. Il va peut-être te dire qu'il y a un lien familial chez vous. Il y a une malédiction chez vous qui est en train de te côtoyer, pourtant tu es libre. Alors rappelle à la malédiction le droit. Parce que quand tu ne connais pas ton droit, tu vas subir les affres de l'ennemi alors qu'il est un imposteur. C'est la communion avec Dieu qui va te révéler. Tout à l'heure, je causais avec une de mes filles hors du pays et on causait et j'écoutais Dieu pour savoir quel est le problème. Et là, j'ai découvert un point à cause de la communion avec Dieu. Ce n'est pas, on n'apprend pas ça à l'école. Ce n'est pas à force d'écouter les gens qu'on découvre ça. C'est Dieu qui te révèle la clé pour ouvrir la chambre là et pour libérer ce domaine de ta vie. Directement, Dieu m'a dit les totems. Les totems. Ce n'est pas juste une sorcellerie, ce sont les totems. Attaquez les totems. Attaquez les totems. Attaquez les serpents et les scorpions. Rappelez-leur que vous marchez dessus. Bien-aimé, je veux te... Oui, je viens de dire... Ça, c'est la parole de quelqu'un en ce moment. Tu m'écoutes en ce moment, tu dois attaquer ça. Les totems, cet animal que tu vois constamment dans tes rêves, ne le regarde pas seulement, attaque-le. Il réclame ton héritage. Il t'a paralysé dans une forêt sacrée. Tu dois attaquer ça. Tu dois lui rappeler Luc 10, 19. Je marche sur les serpents et les scorpions. Je marche sur le chien, je marche sur telle chose. Arrête de crier et de pleurer. Il te faut une communion avec Dieu pour être à mes yeux. Pour être à mes yeux d'ouvrir les chambres de la maison de l'abondance. Finissons. Est-ce que quelqu'un est béni dans ce studio de gloire? Alléluia. Donc nous sommes dans Colossiens 2, 10. Il dit, nous avons tout pleinement en lui. Donc, nous avons déjà pris le premier volet, on va finir avec le troisième. Quand ta coupe déborde, tu sais que tu as tout pleinement en lui. Deux, tu sais que c'est en lui. Et maintenant, il dit, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Quand ta coupe déborde, tu sais pourquoi tu as tout pleinement en lui. Suis-moi. Ici, nous voyons le troisième grand point. Quand ta coupe déborde, tu sais pourquoi tu as tout pleinement en lui. Donc, tu sais que tu as tout pleinement. Tu sais que c'est en lui que tu as tout pleinement. Maintenant, tu sais pourquoi en lui tu peux avoir tout pleinement. Tu sais pourquoi c'est en lui que tu ne peux qu'avoir tout pleinement. Quand ma coupe déborde, je sais que je possède tout pleinement. En Christ, c'est-à-dire quand je suis né de nouveau et quand je grandis dans la foi, je peux jouir de ça. Maintenant, troisièmement, je sais pourquoi en lui on peut avoir tout pleinement. Je vais te dire pourquoi. Parce que ce monsieur qu'on appelle Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Il faut être au-dessus de ce qui domine et de ce qui a l'autorité
pour pouvoir garantir aux gens qu'ils peuvent avoir tout. C'est Jésus, c'est celui qui a dit que le pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire Dieu, par la croix de Christ, après la croix de Christ, lui a donné l'autorité sur les puissances dans les cieux, les autorités sur la terre et les autorités dans la mer. C'est pourquoi au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et dans la mer. Pourquoi en lui je peux tout posséder? Parce qu'il est au-dessus, il est le chef. Dis avec moi, Jésus est le chef. Pourquoi je peux, quand je suis en lui, je peux tout posséder? Parce qu'il est le chef. Bien-aimé, il a reçu cet héritage de chefferie ou de leader ou d'autorité des mains directes de Dieu dans le livre de Colossiens, dans le livre de Philippiens. Tous ces textes, oh, nous n'avons pas le temps. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus. Ça veut dire que quand il passe avec le nom, toutes les autres autorités voient le chasse-mouche du grand chef qui va fermer la bouche de tous les autres chefs. Ça veut dire, bien-aimé, que c'est un chef dans ton village. Lorsque tu es en Christ, l'autel de ton village ferme sa bouche, pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il voit en toi son supérieur. Jésus peut garantir l'abondance parce qu'il a veillé à dominer sur toutes les autorités. L'abondance qu'il y a au ciel, sur la terre et sur la mer sont condensées en lui. Donc s'il arrive qu'une autorité s'élevasse pour s'opposer à ton élévation, le chef de toute domination et de toute autorité viendra juste lui rappeler que c'est de par lui que tu possèdes cette abondance. Je t'annonce en ce moment que tu marches avec le boss des boss, le chef des chefs. S'ils sont francs-maçons, ton chef est leur chef. S'ils sont réseau-chrétiens, ton chef est le chef. S'il y a un homme fort dans le quartier, tu mentionnes le nom de Jésus, il va reconnaître celui qui est au-dessus de lui. Je suis en train de déclarer en ce moment la garantie de ce que nous pouvons tout posséder en lui, c'est que lui, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Lui, peut garantir le succès à quelqu'un, l'abondance à quelqu'un, parce qu'il s'est arrangé à dominer. Il s'est arrangé à mettre tout le monde au sol. Afin qu'au nom que porte Jésus, tout genou fléchit. Je crois que quelqu'un est déjà en train de mentionner le nom de Jésus. La situation qui est en train de prévaloir dans sa vie depuis un certain temps. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de dire au nom de Jésus, à la mention du nom que Jésus porte, tout genou fléchit. Les chefs qui sont dans les cieux, les chefs qui sont sur la terre et les chefs qui sont sous la terre, dans les cieux, sur la terre et même dans la mer, les esprits des eaux et les mamies wata qui causent les couches de nuit et gâtent les mariages, arrête à me choquer. J'invoque le nom de Jésus. Tu peux vivre l'abondance parce que ton Jésus, ou quelqu'un doit, tu peux vivre l'abondance parce que ton Jésus est le chef. Quand ta coupe déborde, tu sais que tu as tout pleinement en lui. Tu sais, c'est en lui que tu peux avoir tout pleinement.
Et qu'il sait pourquoi c'est en lui qu'on peut avoir tout pleinement. Parce qu'il s'est arrangé à fermer la bouche de toutes ses autorités pour te garantir l'abondance. C'est pourquoi il dit sur la croix, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Avant la croix, après la croix. Et sur la croix, il dit, tout est accompli. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire qu'il les a dépossédés de leur chasse-mouche, dépossédés de leur bâton. Il a eu le bâton. Chaque fois qu'ils verront ton Jésus, ils feront allégeance. Parce qu'ils ont été battus à l'aller-retour à la croix. Il n'y a donc plus aucun obstacle à l'abondance. Il n'y a donc plus un hôtel maléfique, une alliance occulte puisse interrompre ton abondance. Parce que tu deals avec le chef de toute domination et de toute autorité. C'est la raison pour laquelle je peux croire que j'ai tout pleinement en lui. En lui parce qu'il est la référence. En lui parce qu'il est le chef. C'est pour ça que quand ta coupe déborde, tu sais ces trois choses. Que tu as tout pleinement. Et que ce n'est qu'en lui. Et c'est en lui pourquoi? Parce qu'il est le chef. Quelqu'un écrit ça. Un, deux, trois. Écris-moi, comme ma coupe déborde, je sais que j'ai tout pleinement. Je sais que c'est en lui. Et c'est en lui parce que, oh, je veux que tu prophétises, je veux que tu prophétises. Voilà les trois sujets que je veux te donner. Je clôture. Comme ma coupe déborde, je sais que j'ai tout pleinement. Prophétise, déclare cela avec ton clavier et ta bouche là où tu es. Déclare. Comme ma coupe déborde, ou quand ma coupe déborde, je sais. Comme ma coupe déborde, je sais que j'ai tout pleinement en lui. Parce qu'il est le chef de toute domination et de toute autorité. On n'a pas dit le chef de l'église. Hein? On a dit de toute domination. Donc des sorciers, mamie, wata, totem, magie blanche, magie noire. Il est leur chef. On n'a pas besoin, les gars n'ont pas besoin de croire. Dès que tu dis Jésus, ils savent exactement de quoi tu parles. Le vaudou, il a tapé. Les esprits des eaux, il a tapé. Les reines de la côte, cogné, tapé. Dès qu'elles entendent son nom, elles voient la dimension de son chasse-mouche. Il confirme que voilà le chef de toute domination. Pas de quelques dominations, le chef de toute domination. Il n'y a pas une domination qui va t'inquiéter parce que Jésus est le chef. Donc je prophétise et je déclare en ce moment que quelle que soit la chose qui te retient et t'empêche de vivre l'abondance par le nom de Jésus. Je rappelle juste le nom de Jésus qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Que la forêt sacrée là te lâche, que le village là te lâche, que la malédiction qui atteint ton père ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Tu ne connais pas les échecs qu'ils ont connu. Jésus est le chef de toute domination et de toute autorité. Je déclare que s'il y a quelque chose qui t'empêche d'être abondant, en ce moment, tu as tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination. Je parle à toute domination. Tout ce qui domine, le péché, tout ce qui domine, la magie, la sorcellerie, tout ce qui domine dans ta vie, la pauvreté, la sécheresse, la stagnation. Je dis, Jésus est le chef. Laisse cette personne, laisse cette bien-aimée, vivre son abondance. Il est le chef de toute domination et de toute autorité, autorité du ciel, autorité de la terre, autorité des eaux. Je vous déclare en ce moment que Jésus a triomphé. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère. Libère sa vie. De Jésus. Libère. Libère.
libère parce que Jésus est le chef de toute autorité. Il est le chef de toute autorité. Tu as une autorité, oui, je ne nie pas, mais j'appelle ton chef. Je te réfère à ton chef. Je me réfère au chef. Le chef là est mon papa. Le chef là est mon sauveur. Le chef là est mon grand frère. Le chef là est de ma famille. Vous ne pouvez pas attaquer le lien du sang. Malédiction générationnelle, stop. Malédiction familiale, stop. Malédiction, je t'interromps et je te stoppe. Sorcier qui opère dans la famille, dans le quartier, dans le village, stop. J'annule et je paralyse ton action. Toi qui rends pauvre, toi qui bloques les ventes et qui rends stérile, stop. J'invoque le nom de Jésus. La mention de son nom. Maintenant fléchissez, vos genoux fléchissent. Les cieux sur la terre, sur la terre. Au nom de Jésus. Stop, stop, arrêtez le processus. Les esprits qui sont mis en place pour les accidents, pour la mort prématurée. Stop, j'appelle le nom du chef. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Le chef de la vie de cette soeur, le chef de la vie de ce frère, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Je déclare, reçois l'abondance là où tu es, maintenant. L'abondance est pour toi. Tu as tout pleinement. Tout ce qu'il te faut pour être un succès, reçois cela. Reçois cela. Tout ce qu'il te faut pour être un succès, reçois cela. En lui, qui est le chef de toute domination. Quand ta coupe déborde, tu sais que la plénitude est en lui. Et il peut garantir cela parce qu'il a veillé à être le chef. Alléluia. Gauche. Salut dans le nom de Jésus. Oh, Marie-Marcel, reçois. Jemaïel, ma fille, que Dieu te bénisse, reçois. À ce soir, on se voit ce soir. À l'enseignement, Matt Lums, qui a été béni, qui a été béni. Je salue toute mon équipe, ma régie, qui a réagi promptement afin que cette 13 heures soit possible parce que il y a eu des difficultés avec notre micro et je rends grâce à Dieu parce que nous avons pu résoudre le problème et nous allons définitivement le résoudre pour que la prochaine fois, il n'y ait aucun obstacle à ce que tu puisses être puissamment béni. Sois béni, sois béni. Seven Tonda Bikoy, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que tu sois le père d'une multitude. Oui, Claire dit qu'elle a été très bénie. Réécoute ce 13 heures, réécoute ce 13 heures, parce que ce 13 heures a été un chapitre extraordinaire. Je crois qu'il va figurer dans notre livre qui sort bientôt. Ce quand ma coupe déborde, ma coupe déborde. Et je crois que le Seigneur est en train de... Oui, merci, merci de bénir plusieurs personnes. Merci, Pindaki. Was powerful moment. Merci, merci à toute ma régie, à toute mon équipe technique qui réagit promptement. Que Dieu vous bénisse. Frère Haché, soyez béni. Prisca, ma vie est libérée. Oui, découvrez ces mystères. Ce sont des mystères réécoutés.
Le secret, c'est de réécouter, réécoute cette vidéo. Il ne s'agit pas d'entrer dans la mouvance de Facebook, entrer dans la parole, jusqu'à une vidéo est faite, on passe. Non, reviens dessus. Et tu vas prier avec des révélations de la parole puissante. Tu vas découvrir que quand ta coupe déborde, un, tu sais que tu as tout pleinement. Tu loues Dieu, tu cesses d'être frustré et tu entres dans ton succès. Waouh, c'était une révélation très forte. Deuxièmement, quand ta coupe déborde, tu sais que c'est en lui que ça déborde. C'est-à-dire que pas besoin de techniques humaines, pas besoin de copier le monde, pas besoin de regarder à gauche et à droite, soit en lui, c'est-à-dire soit né de nouveau et entre dans une intimité dynamique avec lui. Et tu vas commencer à vivre l'abondance. Et trois, la garantie. Pourquoi est-ce qu'en lui, on peut être sûr du débordement? Pourquoi est-ce qu'en lui, on peut être certain que le débordement est possible? Parce qu'il est le chef de toute domination. Parce qu'il a tapé toute cette domination et ses autorités. Il a veillé à régler leur compte. Donc, je veux saluer William. Mon fils William, sois béni. Béni Florentine. Je bénis chacun de vous. Je suis très béni pour ce que le Seigneur est en train de faire dans vos vies. Donc nous sommes à la fin de nos 13 heures prières de cette semaine. Juste pour vous annoncer que nous acheminons vers les Jeunes d'Alliance 2022. Et ce sera un moment extraordinaire à partir du 19 au 30 janvier. Alors, prépare-toi parce que je crois que par la grâce de Dieu, nous serons aussi en ligne pour pouvoir, peut-être chaque jour, on aura une grande cour. Être béni pour prier ensemble avec le serviteur de Dieu que je suis. Je suis très béni de t'avoir. Bien, je vous salue tous et je rends grâce à Dieu. Seigneur, je viens te présenter tes enfants. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es avec nous. Que ta grâce déborde dans nos vies, que en cette année la coupe déborde, que la coupe déborde, que la coupe de tes enfants déborde. Le débordement est notre portion, Seigneur, nous croyons en cela. Merci pour cette révélation. Tu nous établis cette année dans l'abondance. Que les affaires de tes enfants réussissent, que les choses de tes enfants réussissent. Tu nous bombardes avec la profondeur de ta grâce. Allez, soyez bénis. C'était le 13 heures prier avec l'aigle géant. Je suis le pasteur Patrick Botagan. Serviteur de Dieu, serviteur pour ta vie. C'était le 13 heures prier avec l'aigle géant. Nous parlions de que ta coupe déborde qui est le thème. Et ta coupe déborde qui est le thème de notre année 2022. Sois béni. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.